Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est la soirée de jeu en vrac, donc voilà, on part sur un nouveau jeu, puisqu'on a quand même bien détourné et retourné Metal Gear, donc bon, on va le laisser un peu tranquille maintenant. Et on part donc sur du Rimworld. Bonsoir Zelgir, bonsoir Cronus, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, on va aller à Rubytown et on va créer la ville de Rubytown avec Rimworld. Ça va être marrant je pense. Ça peut être sympa de voir un peu comment on s'en sort à Rubytown. Et du coup on va essayer de faire les choses proprement. Donc bah, ça va écoute Cronus, ça va bien, ça va tranquille. Ok, alors maintenant KicketBot qui me dit combien j'ai eu de follow à la session derrière. Ah oui, le nombre de follow que j'ai eu en plus, d'accord. Non, je vais pas bien, j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire de mal dans ce jeu qui est absolument magnifique? À part éventuellement peut-être faire des conneries et perdre mes habitants. Mais bon, c'est moi le maire, hein. Alors, sur Dax, je suis arrivé à la terrible zone d'Anor Londo. Eh ben écoute, voilà. C'est comme si tu me disais que, je sais pas, tu rentrais dans le cul d'une poule. Je pourrais pas te dire si c'est grave ou pas, puisque du coup, je ne connais pas l'intérieur. Donc, alors, où faut marcher sur des poutres de 15 cm de large en esquivant les archers d'Anor Londo. Ah, d'accord, très bien. Bon, il y a peut-être ça dans les culs d'une poule aussi, hein. Je sais pas. Bref, donc, voilà, on va se lancer dans une nouvelle colonie. Et on va voir... Tire des flèches qui font la taille d'un putain de parasol. J'avoue que c'est pas ouf. Donc il n'y aura pas de mode, à moins que vous en connaissiez un ou deux vraiment très intéressants pour le jeu. Sinon il n'y aura pas de mode, hein. Je vais pas m'emmerder avec les mods. Donc on va utiliser le jeu en vanilla. Vanilla le plus total. Et on fait une nouvelle colonie. Bim boum. Hop. Alors. On est parti, tranquillement. Non, je connais pas les modes sur Jouer Vanilla. Moi aussi, j'ai jamais joué avec les modes à ce jeu, donc voilà, on va pas partir avec des modes. On va rester sur le jeu Vanilla classique, comme ça au moins on n'est pas embêté. Alors, atterrissage forcé. Alors du coup, oui, c'est vrai qu'on commence avec... un riche explorateur. Commencez avec un personnage. Moi, oh, vous commencez avec votre mère. Dieu à tous. Jamie Jane. Commencez avec mitrailleuse automatique. Recherche. Ok. Intéressant, dis donc. On commence seul. Je sais pas si c'est forcément bien parce que ça va être dur au départ. Donc non. Qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi j'ai ça? Personnalisé. C'est moi qui ai fait ça un jour dans ma vie? Ça veut dire que c'est moi qui ai créé ce truc un peu chelou dans ma vie? Personnalisé. Qu'est-ce que c'est que ce connerie? On va partir avec l'atterrissage forcé. Hein. On va partir avec un petit truc classique. Hop. Alors, le compteur de l'IA. Bon, j'ai pas envie de me mettre en mode super dur. J'ai pas envie de se faire raid tous les 4 matins. Et de se faire défoncer aussi. Hein. On est plus là pour survivre en mode tranquille et tout. Mais on va quand même en mettre un peu de difficulté. Hein. Selon une courbe croissante des défis de difficulté. Phobie laisse tout le temps entre les catastrophes. Ok, donc c'est elle. Ok, et lui c'est le mec complètement malade. Il va me faire ok. Mode mort permanente. Un sans placement de sauvegarde. Non, ça m'intéresse pas. Bon, Cassandra ou alors Phoebe l'animal. Oh, on peut partir avec Phoebe l'animal en un certain défi. Ou alors à la dure. Ah, je ne sais pas. Après, non, les deux autres, c'est bon, c'est pas intéressant parce qu'on va se faire raid et il y aura des catastrophes tout le temps, donc ça m'intéresse pas. Mais... un certain défi ou à la dure, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous choisissez? À vous de dire. C'est vous qui choisissez. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et dehors, il fait un magnifique soleil. Il fait pas chaud ce soir, il fait bon.
Et voilà. Tout va très bien. Il est passé où le chien? Il est passé là. D'accord, donc vous nous... Un certain défi. Allez, c'est parti. Un certain défi. On va commencer Classico del Madrido. Graine. On va l'appeler Ruby Town. Alors, c'est juste la graine de génération, hein, c'est pas le nom de la ville. Hein. Couverture du globe. On va faire 50, non, on va faire 30%. De toute façon, il n'y aura pas besoin de plus, hein, parce que le jeu est déjà suffisamment complet comme ça. Donc, précipitation normale, température normale. Voilà, on va laisser ça tranquille. Generation. Ah merde, par contre, je peux pas choisir. Je peux pas choisir mes gars dans l'équipe au départ. Ah si, voilà. Ah non. Ouais, donc c'est largement assez grand. On a les factions. Ok. Alors, oh putain, il va falloir choisir un site maintenant. Oh. Alors, déjà, on va regarder. On a les verts et les violets avec nous. Donc, si possible, on va se mettre à côté de deux. Hein. Là, on a les violets. On va pas se mettre trop loin d'eux. Les jaunes sont... ah, ils sont hostiles quand même. Ils sont hostiles. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Noirboja Rainforest. Ok, donc là, on a un village. Village by the plateau. Ça veut rien dire en français. Ah, la faction, c'est la ville des villageois. Au moins, c'est pas dur comme nom de faction à se rappeler. Alors. Si on se met par ici. Hop là. Bienvenue, Kotzvak. Comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue à Ruby Town, bien entendu, maintenant. Enfin, du coup, on n'y est pas encore, mais on va y arriver. Durée moyenne, durée des mouvements, terrain, grande colline, calcaire et granit. Gris, granit et marbre. Ok, température moyenne 20 degrés, moyenne l'hiver 10 degrés et moyenne l'été 31. Période de culture à l'année. On est pas mal ici. Hein. On est... granit, grès et calcaire. Rivière, petite colline. Alors, est-ce qu'on se met sur une rivière ou est-ce que... gris, granit et marbre. Granit, grès et calcaire. On s'en fout de toute façon. Hein. Alors, est-ce qu'on se met plutôt jungle tropicale? Ah ouais, on est dans la truc tropicale. Ok. Précipitation 2975. Random. Non. Ça, c'est même pas la peine de chercher. Hein. Non, là, je me mets pas en random. On va se mettre ici, mais est-ce qu'on se met sur une rivière ou est-ce qu'on se met juste au-dessus sur une petite colline? Ah ouais, mais jungle tropical, effectivement, c'est un peu tendax du cul, quoi. Mais on va y aller quand même. Voilà, en fait, vous avez le choix. Je vous impose un choix. Rivière ou pas rivière. Non, parce que si je tombe sur un endroit juste à côté d'ennemis qui est casse-couille, ça va être complicado. Hein. Donc voilà, hein, bon... Allez, on va se mettre à la rivière. Hop. Suivant. C'est parti. Donc, je me suis mis à la rivière. Hein. Ouais, c'est bon. Alors, on est parti. Selected, left behind, derrière nous. Ok, donc. Rivière ou pas rivière, toundra. Eh, n'empêche, je pouvais faire rivière ou pas rivière. Il y avait une case où il y avait rivière et petite colline. Il y avait les deux ensemble. Hein. J'aurais pu aussi aller par là. Donc. On va pouvoir y aller, donc déjà, il me faut moi. Alors moi, je suis quoi? Moi, je suis Dieu.
Donc, je suis un stylé le bon jeu. Yo, Victory, comment vas-tu? On est en train de mettre en place Ruby Town, tu vois. On est en train de mettre en place Ruby Town. Alors, moi, il faut que je me sélectionne. Qu'est-ce que je fais là? Tir mêlée. Médecine, cuisine. Ah, mais ça, c'est moi, ça. C'est très bien, moi. Cuisine, j'adore. J'ai passé tellement de temps dessus. Ah, c'est tellement un bon jeu. Puis tu vois la petite musique derrière? J'adore. Je veux que je sois là. Très bien, tu seras là. Ça va très bien. Tout le monde sera là. De toute façon, je vais renommer chacun. Donc déjà. Donc moi déjà, c'est le nom du personnage. Jimmy. Nom de famille. Jen. Et mon surnom, eh bien, c'est Monsieur le Maire. Ah ben alors, si je peux pas mettre Monsieur le Maire, je vais mettre le Maire. Voilà. Voilà. Donc déjà, toi, comment on te fait monter? Ah voilà, on te fait monter comme ça. Voilà, toi tu es le premier, tu es le maire. Voilà, tout est clair et net. Ensuite, j'écris plusieurs rapports de bugs. Retour sur ce jeu que j'ai fait de dissertation pour l'école. Lol. Mais non, il n'y a pas de bugs dans ce jeu. C'est un jeu où même avec les bugs, il est bien. Donc tout va bien. Alors, du coup, colon femelle, femelle mâle. C'est un mec, ça? Alors, on va mettre Cronu, parce que c'est quand même, c'est quand même, voilà, hein, on va mettre Cronu. Je sais pas ton nom de famille. Trouve-toi un nom de famille et on va l'appeler Cronu le Modo. Voilà. Et le surnom c'est le Modo. Et donc le nom de famille, ben tu choisis. Mais le Modo avec un M majuscule, s'il vous plaît. Non mais oh. Voilà. Et ensuite, hop. De toute façon, vous allez être tous les trois là. À moins que Zelgir, tu veuilles pas en faire partie, mais sinon tu y seras aussi. Hein. Hop. Et donc il y a Victory. Alors, est-ce que tu veux que je t'appelle Victory ou Strix du coup? Parce que voilà, comme t'as les deux, hein, tu joues double face, toi. C'est pareil, choisis-toi un nom de famille. Ok, très bien, Zelgir. Oui, alors oui pour Victory ou oui pour Strix? C'est toujours pareil. Victory, Strix. Ok, donc tu seras Victory Strix et tu t'appelleras le Modo 2. Voilà. Le Modo et le Modo 2. Et du coup, Cronu, je ne sais pas ton nom de famille. Voilà, alors du coup, on va quand même regarder ce que vous êtes. Alors, toi, t'es bon en mêlée, Cronu, et en tir à distance. Tu es intellectuel et tu as un peu de minage. Ok. Et pour. Ah, mais non, c'est Team Skill. Pardon, quel con. Pardon. Moi, je suis en tir, animaux et intellectuel. Oh, je suis un très intelligent. C'est normal, c'est moi le maire. C'est logique. Ensuite, Cronu, tu as quoi? Mais Cronu, il a tellement de trucs partout! Il a du tir, du mêlé, du sociable, un peu d'animaux, un peu de médecine, de la cuisine, de l'agriculture, du minage, de l'artisanat. En fait, c'est l'homme à tout faire, quoi. Cronu cornu. Allez, c'est parti. Cronu cornu. Mais putain, mais en fait, moi, je suis mais une merde finie, quoi. Je n'ai rien. Je ne suis rien, en fait. À part le maire, je ne suis rien du tout. Et toi, du coup, Victory, tu es très très fort en mêlée. Putain, oui, tu défonces en mêlée. Un peu au tir, minage, animaux. Artisanat, ok, bon bah voilà. Quel talent ce mec! Ah, mais j'avoue, Cronus 54 ans, j'avoue que t'es un petit peu vieux. Ça va, toi t'as 20 ans, Victory, tout va bien. Et monsieur le maire, il a 43 ans.
Il est un peu tranquille, tu vois, le maire. Il est entre les deux. Ouais, t'as 20 ans, tu vas pas mourir tout de suite, normalement. Par contre, tu es un alcoolique trucker. Voilà, donc en anglais, trucker, je sais pas, c'est, je sais pas, quelque chose. En tout cas, t'es alcoolique, hein. Il y a le mot alcoolo. Ah non, alcoolique. Ouais, c'est ça. C'est. Toi, t'es un pirate stellaire, Cronu. Et moi, je suis un ordinateur humain. Oh. Je suis le petit jeune. Oh. Ok, on est parti. Oh, c'est parti! Stylé! Alors, vous vous réveillez! Ok, bonjour. Alors, par contre, je vous préviens à l'avance. Il va y avoir aucune optimisation. Salut, Laze 834, comment vas-tu? Bienvenue sur le stream. Donc, je préviens à l'avance, il n'y a aucune optimisation dans ce petit stream et ce let's play qui va y avoir sur la chaîne. Il n'y a aucune optimisation. Je ferai comme bon me semble. Et même si c'est mal fait, ben, ça sera mal fait. Voilà. Ça tombe bien, c'est ce que les petits jeunes sont utilisés pour récupérer les chiottes. J'avoue que. Oh! Putain, mais en fait, il a la classe jusqu'au bout, Cronu. Il a même les pics sur la tête. Oh le mec! C'est magnifique! Mais c'est magnifique! Bah ça va très bien, Laze. Putain, le mec il est jusqu'au bout quoi, c'est. Il manquerait plus que tu utilises tes doigts et tout pour faire comme si t'étais un rocker là et puis tout irait bien quoi. Oh putain, sérieux. Je rêve. Alors on a quoi? Un babouin? Ah non, c'est une guenon. Ouais, enfin c'est pareil quoi. Là on a quoi? Une panthère? Femelle. Ok, on va rester calme. Alors, déjà, première chose. Putain, ça fait un moment que j'ai pas joué à ce jeu. Alors, on va se mettre dans un endroit. Ah, il y a des guenons là, pas mal. On va se mettre autour de ce gros truc là, parce que. Bon, on va regarder avant, mais. Je pense que ouais. On va se mettre autour de ça là. Ok. Comme ça, on va pouvoir commencer une petite base à l'intérieur. Et après, on s'étendra, on continuera un peu. Oh, il y en a là aussi. Alors, zone de stockage. Niveau métal, t'es pas bien riche sur cette map. Non, mais commence pas. Hein. Commence pas. Commence pas comme ça. Parce que là, moi, je te dis. Ça va chier des bulles quoi, tu vois, les bulles elles vont sortir donc bon, à un moment donné. Alors, est-ce que ça marche? Non, c'est pas ça. Mince, c'est quoi? Non. Oh, putain, je vais pas. Me dites pas qu'il va falloir que je le fasse manuellement. Oh, putain. Moins vite s'il vous plaît un peu moins vite hop voilà il faut buter de la forêt j'avoue morzent j'avoue aussi le chasseur n'a pas d'armes alors déjà qui est chasseur parce que là dans l'histoire bon commencez pas à me faire chier alors médecin le modo. Donc déjà, Cronu, il est médecin. Déjà, c'est attribué, il n'y a que lui qui est médecin. Oh mon Dieu. On a Victory qui est alcoolique, mais c'est lui qui va faire les constructions de la base. Donc, attendez-vous à ce que ce soit pas forcément très droit, les murs, hein. Il y aura peut-être un peu de... Tu fais bondir mon petit cœur! Hop, merci beaucoup pour le follow, Laze. Ouh, désolé pour l'écho s'il y en a eu un. Et bienvenue sur la chaîne! Donc du coup voilà, hein, si vos constructions tirent un peu de la gueule, c'est que c'est normal. On a Victory et l'alcoolique. Et donc qui c'est qui est... Merde, je sais pas. Ah voilà, chasse. Monsieur le maire, ok. Donc c'est moi. Moi je chasse. De toute façon, je suis un bon chasseur. Hop, voilà. Tu as fait bondir le mien aussi de petit cœur. Oh, c'est mignon.
C'est mignon. Ok, on va avancer un peu. Voilà. Hop. Ramener tout là-bas. Ramener tout ici. Tac, 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 tac. Qui c'est qui est pas mal aussi en... J'ai pas envie de vivre dans l'une de ces maisons, moi, perso. J'avoue que... C'est un alcoolique qui fait le truc. C'est un peu limite, quoi, tu vois. Je veux pas dire, mais bon. Alors. Je ne sais plus où c'est. Aptitude. Au tir, toi, tu as 9. Chronu, et tu as 5. Donc, Chronu, tu es préposé à prendre l'arme. Et Victory, tu prends le couteau. Bandir, mais non, votre verbe bandir et bander, j'avoue. Putain. Oh là 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 là. XD, il l'a vu, j'avoue. Bon, voilà, on va déjà ramasser toute cette merde là. Hop. Oh, on a déjà des machineries compactées, dis donc. C'est beau la vie. Qu'est-ce qu'on a là? Une minerai d'argent, là on a du métal, donc ça va. Hop, architecture. Couper du bois. Voilà, c'est parti. T'as la porte sur le toit et les fenêtres au sol. Je... Écoute, hein, on verra bien ce que ça donne. Regarde, mais regardez-les, mais ils ne font rien, ils ne font rien. Regardez-les, il pleut et ils ne font rien. Donc ça, ça me va pas. Foresterie, voilà, récolter ou couper plantes. Taille des plantes, non, on s'en fout. Allez, je vais mettre l'alcoolique à... Ah non, pas l'alcoolique, je vais mettre... Hop, je vais mettre plutôt Chronu. C'est parti. Parce que là, maintenant... Hop. Ah, au fait, est-ce que toi, tu casses de la pierre, minage? Ouais, tu casses de la pierre, toi. Eh ben, c'est cool, tu vas les péter de la pierre, du coup. Hop, c'est parti. C'est parti. Non, je veux pas dire, mais c'est un petit peu lent quand même tout ça. Hein. C'est sympa d'être dans la forêt tropicale, n'empêche. Alors, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une base à l'intérieur là. Et après, on verra ce qu'on fait. Putain, il y a de la boue. Ah non, c'est du grès. Ça va. Je croyais que c'était un truc de boue, on n'allait pas pouvoir construire dessus. Non, ça va. Alors. Hop. On va construire une porte ici. Construction échouée. Et ben voilà, mais regardez, je mets même pause pour qu'on voie bien marqué. Construction échouée, l'alcoolique a encore frappé. Sa première construction qu'il fait, le mec il chie une porte. Non mais sérieux quoi. Oh là 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 là. On n'a pas fini, moi je vous le dis. Hein. On n'a vraiment pas fini. Hein. Stylé. Non mais sérieux quoi. Me la loupe pas une deuxième fois. Non ça va. Oh là là, ce type c'est moi, Modo 2. Oui, mais oui, mais oui, parce qu'en fait ça met pas le. Enfin, ça met que le surnom. Alors, ce qui est marqué c'est que t'es sain et tu es content. Bah écoute, si t'es content, ça me va. Ah, Chronu il est neutre. Il est pas content, Chronu. Il est juste neutre. Voilà. Oh, je dors. C'est normal, monsieur le maire il dort avant tout le monde. Il va au lit une heure plus tôt. Mais ce qui est bien, c'est qu'on dort sous la pluie. Hein. Ça, c'est vraiment stylé, je trouve. Artère bouchée. Oh, j'ai des problèmes de cœur. Oh. Je suis la Suisse. C'est ça. Ah oui, en fait, alors, moi, j'ai les artères bouchées. Toi, t'as le bras gauche avec une cicatrice au couteau. Ah, un Chronu, attention. Hein. Et toi, tu as une cicatrice de morsure. Ouh. Ouh, Victory s'est fait mordre. Il aime ça, être mordu. Il aime ça, coquin. Donc,
On va arrêter de dire des conneries quand même, parce que... un peu compliqué sinon. Hop, alors normalement on peut transporter... Ah voilà. Là. Bon, bah pour le moment, hein... Pour le moment c'est plutôt calme. Oh, ce jeu de l'amour. Je suis tellement content de revenir dessus. Ça faisait un moment que j'avais pas joué par contre, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis très clairement. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Pourquoi tout n'est pas bien mis? Ah voilà, ça y est, ils sont en train de le transporter. Ah, au fait, on peut renommer normalement la colonie, non? On peut pas renommer la colonie? Non, c'est moi le Suisse. Bienvenue, HGAM. Toujours. Ah. Game toujours. J'ai compris. C'est... Ils sont contents, ils sont Suisses et ils sont contents. C'est ça. Ah, voilà. Cronu qui vient faire le ménage quand même. Il est gentil, Cronu. Hein. Personne veut transport. Ah mais vous n'êtes pas assigné aux tâches de transport? Ah mais si pourtant. Ah mais oui, mais parce que... d'accord, j'ai compris. Hop, stockage. Alors, morceau... Voilà, morceau de roche. Donc en gros, on tout effacé et on prend juste les morceaux. Voilà. C'est vrai que de base, les... c'est pas consi... enfin, c'est compté comme des morceaux de pierre. Hein. Voilà. Par contre, quelqu'un pourrait aller l'aider dans le minage. Parce que le pauvre Victory, il est tout seul en mode PLS total. Et alors, mobilier, on a des lits. On a des lits en bois. Allez, vas-y, construis. Et boum, ça va, il a réussi à construire le lit, c'est déjà pas mal. Construisons un autre. Ok, donc ça, on va le définir à quelqu'un. Voilà, donc, hop. En fait, non. On va mettre le pirate en premier, l'alcoolique en deuxième, et bien sûr monsieur le maire qui est au fond, parce qu'en cas d'attaque, faut pas qu'il se fasse attaquer en premier. J'avoue. Ville, Rubitain, nom d'habitant, 3, lieu de vie, grotte tout pété. J'avoue que c'est, pour l'instant c'est un peu austère, mais ça viendra... Ne vous inquiétez pas. Déjà, on dort dans des lits ce soir. Hein. Le premier soir, on n'avait pas de lit. Et là, on dort dans des lits. Alors, soyez déjà heureux. Monsieur le maire est en train de faire ce qu'il faut. Ok. C'est parti. Alors après, il va falloir qu'on aille... on va commencer à s'installer tranquillement. Défense nécessaire, pourquoi? Oh, mais ils veulent déjà qu'on fasse des défenses, mais... Je coupe le stream quelques minutes, je regarde un tuto pour finir de configurer mon émulateur. Pas de soucis, Zalgir. Aucun problème. Hop. Hop là. Voilà. Ça y est. On est parti. Alors, il faut aussi récolter du coup tout ça. Il
y a personne qui construit en plus de... Ah non. D'accord. Les infos de ville sont seront distribuées assez souvent. Merci d'avoir lu le journal de la ville. C'est très aimable de ta part de faire le journal de la ville. Je te recruterai dans la ville dès qu'il y aura un personnage supplémentaire. Ce sera toi. Risque de démence. Oh, ça y est, on a Cronu qui commence à devenir dingue. Qu'est-ce que tu as, Cronu? Pourquoi tu commences déjà à être malade? Santé mentale. Inconfortable à manger sans table. Oh, mais le mec, c'est bon, quoi. Dortoir horrible. Pessimiste. Mon Dieu. Mon Dieu, tous les défauts. Oh là là. Alors, sol, on va faire un plancher en bois. Hop là. Tac, 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 tac. Hop, 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 voilà. On va déjà se faire un petit truc tranquillement. Oh, stylé! On en a vachement des... On en a vachement de la ferraille là. Cool. Oh, on a des visiteurs. On a des visiteurs. Ils viennent nous visiter. Bonjour. Oh, monsieur. Ah, vous êtes un petit peu à la ramasse. Oh. Faut ramasser ça. Faut faire le tour de la map. C'est vrai que j'ai oublié de le faire. Si jamais, des fois, il y a des trucs... Genre ça, c'est de la viande gratos. Le rat mort, c'est bien. Ah, là, c'est cool. Il y a des portions. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un chinchilla femelle mort. Cool. Flash info. Flash info, Cronu devient fou, il a mangé un champignon hallucinogène et se met à manger tout ce qui bouge, faites attention à vous. C'est ça. Oh putain, j'aimerais trop avoir un mec qui puisse faire les commentaires comme ça. Ça serait tellement... En mode RP, tu sais, vraiment un truc en mode RP. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas en coop ce jeu. C'est con. Ça, c'est con. Par contre, toi qui peux rentrer chez moi... Ouais, ça va. Tranquille, tranquille. Hop, allez au lit. Faim, moins faim. J'avoue que toi, t'as faim. T'as envie de bouffer, quoi. Sur le forum, on a parlé avec les devs pour un multi. Ok. Parce que franchement, ça pourrait être tellement bien. Voilà, barrez-vous les visiteurs, là. Allez voir ailleurs si on y est. Et quand on n'y sera pas, ben vous ne nous trouverez pas. Ah, ça y est. Oh, ça y est, c'est l'alcoolique qui nous propose qu'on donne un nom à la faction. Quel nom on va lui donner? Un nom à la faction. Oh. Alors, déjà... Le nom de la colonie, c'est Ruby Town. Oula. Je prends toujours les initiatives. Je vois ça, je vois ça. Et le nom de la faction, du coup... Ah, il faut trouver un nom à la faction. Si vous acceptez, c'est votre prochaine mission. Ruby Town, c'est le nom de la colonie et... Et voilà. Quelque chose qui soit en rapport quand même, hein. Pas non plus déconner, quoi. Hein. Bon. Et voilà. Et voilà. Et voilà.
Le truc, c'est que je peux même pas quitter et revenir, quoi, c'est chiant. Alors, il n'y a pas de nom qui vous viennent en tête? Je sais pas. On peut nous appeler les Rubicolos, hein, parce que je sais pas, ça vient dans ma tête là, ça vient d'arriver, vous voyez, juste là à l'instant. Et on est à la ville de Rubytown, comme ça va très bien comme ça, hein. Comme ça va très bien comme ça. C'est très français ma phrase. L'alliance des viewers. Allez, c'est parti. L'alliance des viewers. J'ai bien écrit au moins parce que... Ouais, ça va. C'est parti! Votre faction s'appelle désormais l'alliance des viewers et cette colonie s'appelle Rubytown. Oh, c'est beau! Maintenant, si on va voir dans le monde, Rubytown, faction, l'alliance des viewers. Oh, c'est beau! Ça y est, Rubytown est née. Elle est là, elle est belle, elle est grande. Alors, par contre... hop. Très chiant en fait. Hein. Oui, une mouche me tourne autour dans la. Plutôt intéressant. Oh, le modo 2 qui est allongé. Mon ami, ça ne va pas du tout. Non, merde, on peut pas. Le terrain ne peut pas supporter ceci. Pourquoi? Terre marécageuse. Ah merde! Hop là. Ouvrons ça. Ouais, j'ai une bonne idée. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Hop, on va construire ça. Ah, il faut virer ça. Hop, et mettre un sol. Voilà. Du coup, production. Établi de boucher. Alors merde. Ah. Voilà. Établi de boucher. Et une cuisinière à bois. Voilà. Il nous faut les deux. Clac, clac, clac. Et alors après, ce qu'il nous faudrait, c'est... Pour l'instant, ça... Putain, ça va être long à péter tout. Oh, un animal fou! Attends, il est où? Il est où? Il est là. Feu! Feu à volonté! Attention! Est-ce que je sais viser? Le modo 2 à l'attaque. Je te mobilise! Attaque la guenon! Par contre, t'es sympa, mais enfin... Oh, il y a un serpent là. Loupé! Et boum! Et voilà. Et voilà, il est mort. Il s'est pris quoi? Il s'est fait poignarder le torse, blessure par balle, carabine, et voilà. Chacun lui a mis un coup et on est vivant. Hein. Le maire investit dans une carabine pour le bien-être de ses habitants. Quel généreux maire, j'avoue.
Ouais, sauf que j'investis dans une carabine, mais c'est moi-même qui l'utilise hein, quand même. Hein. Faut pas déconner non plus. Pour l'instant, je ne fais pas confiance aux autres. Donc voilà. Ah, mon Dieu. Alors, ici, on va se faire une tâche. Cuisiner un plat simple. Toujours qu'on en ait une quinzaine. Hop, c'est parti. Il fait 22 degrés quand même à l'extérieur. Hein. Il fait quand même bon. Hein. Bon, c'est bien parce que c'est le début de la ville. Hein. Pas non plus. Ça sera le cœur de la ville plus tard. Vous verrez. Pour l'instant, ça fait pas vraiment rêver, mais voilà. J'ai marqué cantine et tu as dit carabine. Ah oui, effectivement. Effectivement. Eh ben, écoute, voilà. Mais oui, j'investis dans une cantine et actuellement, j'ai des plans de chambre froide. Oh là là. On notera quand même que Monsieur le maire s'investit beaucoup dans la création de sa ville. Il est souvent présent, hein. Comme on peut le voir actuellement, il est en train de vaquer à ses occupations. Il travaille fortement à l'extérieur. Il compte les papillons. Voilà. Donc, et là, il vient de nettoyer le sol. On peut pas quand même dire qu'il ne fait rien. Hop, encore une fois. Et voilà. Oh, trop bien. Ok, nickel. Donc, toi, tu vas investir dans un mur avec porte. Voilà. Ça, on le remplacera plus tard. On peut le faire maintenant. Capsule de cargo. Oh, cool. On a gagné quoi? Qu'est-ce qu'on a? Des œufs de poule non fécondés. Et des morceaux d'acier. C'est ça en fait. C'est pour cacher les. C'est pour cacher les mecs. Tout à fait. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Risque de démence majeure. Et ça y est, Chronu qui commence à avoir des démences majeures. Risque en tout cas de démence. Environnement très déplaisant, ça ne lui convient pas. Et voilà, hein, pas du tout de confort. Très peu beau. Il n'est pas beau du tout. Hein. Chronu n'est pas beau. La beauté, c'est pas son fort. Hein. Et surtout pas de confort. Surtout aucun confort. Hein. Alors. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ce serait pas mal de venir péter ce mur. S'il vous plaît. Ah, mais ils sont partis chercher les trucs, d'accord. Un géant, Rafflesia. Oh, c'est un Pokémon. On a un Pokémon dans le monde de Rimworld. C'est cool, ça. Ok, donc ça, c'est bon. Un climatiseur. Clac. Hop, donc il me faut un sol. Ah, très lent à construire. Eh ben écoute, ce sera du bois partout. Et me fais pas chier. Voilà. Parce que le truc antibactérien, c'est bien, mais ça coûte cher et au début, c'est lent à construire. Remplace les murs du frigo maintenant, sinon ce sera plus contraignant après. Effectivement,
je peux tout faire maintenant. Merci de l'aide apportée, chers citoyens. Merci beaucoup. Hop, d'ailleurs, on va miner ça et on va miner ça. C'est parti. Merci beaucoup pour l'aide apportée. Hein. Tu n'es pas encore citoyen dans la ville, mais... Mais, c'est bien. Tu as ta place. Crise de démence. Se goinfre. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Cronus se goinfre de nourriture. Le déclencheur a été... Se sent terriblement mal. Il se sent mal, le petit Cronus. Il se sent mal. Il est pas bien dans sa peau. Regardez. Il se goinfre de bouffe. Oh, là, 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 là. Ça y est. Ça y est, il est en train de nous épuiser les stocks de bouffe, quoi, le mec. Hein. Oh là 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 là. C'est où, ça hein? Complètement ouf. Hein. Monsieur le maire, il est où? Je suis où? Je sais pas, c'est où, moi? Ah, je suis parti chercher les œufs de poule. Eh ben oui. Forcément. J'avais dit quoi tout à l'heure? Il se met à tout bouffer. C'est ça. On l'a touché. Blessure par balle. La tête et le corps. Ben normalement, il va mourir. C'est bon, il est mort. Oh cool, on est en train de cuisiner les œufs. Bon, il va falloir à tout prix continuer à agrandir cette pièce. On n'a pas d'électricité. Ça va venir, ça va venir. C'est ça, t'es pas encore citoyen mais ton fantôme aide. Et c'est très très sympa de ta part. On a besoin de citoyens comme toi. Un raid, oh mamie. Eh hey, mais what? Hey, mais le mec, il a déjà un flingue, le type. Oh, oh, tu t'es cru où, là? Oh. On y va. On se met à l'abri. Alors, attendez. Ah, voilà. Il est là. Bon, nous, on attend, hein. On ne bouge pas. Surtout, vous tenez les positions, les enfants. Boum! Et premier coup, et on le touche! Et là, les gars, il n'y a pas du mec, là? Monsieur le maire, il est chaud bouillant, hein. Là, il est chaud patate, les gars. Ok, c'est parti. Coup de semence. Boum! Deuxième coup. Troisième coup, il est mort. Ok. Et voilà, c'est terminé. Donc, on peut ranger l'arme et... on va le déshabiller. Déshabillez-le. Et il y a les Endek qui arrivent. Courez, cachez le cadavre. J'avoue. Pour une fois qu'il fait un truc, le maire. J'avoue que. Alors attends, parce qu'il va faire autre chose, monsieur le maire. Il va faire autre chose. Il va tirer. Il va tirer sur le mec. Oh, je l'ai loupé. Oh, je l'ai loupé. Oh, je l'ai loupé. Oh là là, ce coup! Et tu peux t'approcher hein, si vraiment t'as du mal à tirer. Hein. Ça y est, on l'a touché. Heureusement que les balles sont gratuites dans ce jeu parce que on serait mal sinon. Et ben c'est long, hein, dis donc, pour le tuer, le mec. Hein. C'est laborieux, hein. Ruzelgir. Mais c'est plus que laborieux là. Hein. On avance. Avance, avance, parce que là, voilà, tire au corps à corps. Voilà. C'est bon, il est mort. Bah du coup, on s'en fout. À mort, à mort, à mort, ouais. Bah c'est ça, il est mort. Ça y est, c'est fini. On a réussi à le battre.
Oh, le maire est victime d'une intoxication alimentaire issue du plat simple. Qui c'est qui prépare les plats? C'est Cronu. Cronu, tu mets de la... Tu mets de quoi dans ta bouffe? De la morora ou quoi? Tu veux me tuer? C'est ça? C'est parce que tu veux tout bouffer, hein. C'est parce que tu te goinfres, en fait. Mon Dieu, je rêve. Non, mais je rêve cette conspiration contre le maire. Oh là 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 là. Je rêve. J'aurais tout vu. Enfin, pour le moment, j'ai pas tout vu, non, justement. Je suis loin d'avoir tout vu. Oh là là. Sérieux, mais pourquoi je fais rien, moi? Va travailler. Coucou, il est bien amusant ce jeu. Ouais, salut à toi, Grim Frenzy. Il est vraiment top. C'est vraiment un très très bon jeu. Au bûcher, il a essayé de tuer le maire, j'avoue. J'avoue que... Hop. On va mettre un loisir. On va mettre un espèce de piquet de fer à cheval. Voilà, comme ça, certains iront s'amuser s'ils veulent lancer des petits fers à cheval, là. Ce sera plutôt fun. Fun, fun. Et voilà. Oh, et voilà le modo 2 qui construit le jeu et qui tout de suite derrière s'amuse. Voilà, voilà. Ça y est. Victory s'est amusé maintenant, c'est au tour de Cronu. Oh, ben je vais bien y arriver, hein, moi aussi. Hein. Allez, on mange. Le maire est victime encore d'une intoxication. Mais c'est une conspiration, c'est pas possible. Game un jour pour toujours. J'avoue. Comment on voit combien on a d'argent sur ton live? Tu peux ouvrir le shop. Tu peux faire un exclamation shop. Et sur le lien, tu vas tomber sur ta page à toi. Et si tu n'es pas connecté, tu te connectes à ton compte. Et ça te dira combien tu as d'argent directement. Voilà. Je crois que s'il n'y a qu'un loisir au bout d'un certain moment, ça donne moins de bonheur. Bah du coup, on fera une table de poker. On jouera au strip poker et tout après, vous allez voir. Il y a plus de... Il y aura plus de limite après. Il y aura plus de limite. Oh, je vomis. Oh, je viens de vomir. Vomis de le maire. Oh. Eh, hey, mon gars, tu es en train de me détruire la santé. T'es en train de me tuer. C'est une conspiration, hein. Vraiment, hein. Va falloir faire attention à Cronu dans l'avenir, hein. Ah oui, on a gagné une vague de psychique aussi apaisante. Tous les colons mâles sourient. Bah, c'est bien ça. J'ai pas besoin d'argent moi quand j'ai de la vodka, j'avoue. De la vodka. Alors, il va falloir aussi qu'on fasse de l'énergie. Alors, dans une région où il pleut régulièrement, on va faire une génération. Enfin, on va se faire un générateur à combustible qu'on va mettre à l'extérieur dans un. Enfin, on va le protéger, quoi. On va le mettre dans une pièce. Parce que... à l'air libre, il risque de... On va faire ça en bois. Voilà, on va faire ça comme ça. On va se faire un sol. Construction échouée. J'en ai déjà vu trois. Encore une quatrième. T'es sûr que tu les arrives à les faire droit, les murs là? Parce que. Compliqué, hein. Ah, le pollueur, les éoliennes, c'est mieux. Non. Non, parce que ça coûte trop cher et en plus, quand il n'y a pas de vent, ben ça sert à rien. Après, il faut des batteries et tout, puis après, il faut vivre sur batterie et tout. Et tout. Hein, bon.
Le truc, c'est qu'on peut pas savoir combien on a la force du vent et tout. Je vais voir, elles sont grosses les batteries ou est-ce qu'elles peuvent... Oh non, ça va, elles peuvent tenir là-dedans. Après, je peux très bien mettre les batteries à l'intérieur et laisser l'éolienne à l'extérieur. Hein. Et du coup, ça me fait... Encore? Non mais faut arrêter! Faut arrêter! Cronu, je te le dis. Arrête de faire cuisinier. Change de métier. Fais autre chose de ta vie. Parce que là, t'es en train de me tuer. Tu vois? T'es en train de me tuer complètement. Donc, aptitude. C'est où? Cuisine 4. Cuisine 1. Cuisine 1. Ah, le pire, c'est que c'est toi qui es meilleur en cuisine. Eh ben, dis donc. Eh ben, c'est comme ça la vie, hein. Donc toi, Lace, tu me conseilles de faire des éoliennes et ensuite de faire des batteries pour tenir en fait, c'est ça? Je dis 15 fois en fait. C'est ça que tu es en train de me dire, quoi. Tu mets une éolienne et tu utilises le four à bois en cas de pénurie. Ouais. Une éolienne, ça coûte combien? Ça coûte 100 d'acier. Bon, ça va. Et 2 composants. Ça coûte cher quand même, hein. Alors, est-ce qu'il y a un endroit qui est mieux qu'un autre pour une éolienne ou pas? Parce que ça, du coup, j'ai jamais su dans ce jeu s'il y avait un endroit un peu comme dans les City Builders, quoi. Ou est-ce que, en fait, non. Non, non, il n'y a pas d'endroit spécifique. Allez, va au lit. Voilà, je vais au lit. Hop, ça y est, le jour se lève. Une partie du vaisseau est arrivée depuis l'espace. Oh, trop bien. Trop, trop bien. Donc non, non, on sait pas. On sait pas si c'est mieux de le mettre à droite ou à gauche, l'éolienne. Donc on va se construire une éolienne. Si possible, tant que la zone blanche est dégagée et il n'y a pas d'arbre, elle produit bien. D'accord. Alors on va pas la mettre juste à côté du coup parce que... Allô. On transporte tout. On coupe tout. Et on fait tout ça. Hop, voilà. Bon alors là. Allez, on va finir de casser toute cette merde là. Parti où il est parti où le modo il est parti, ok, ça y est, il est là, il est ici. Bon, alors hop, mur, hop, on va finir ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre du coup des batteries. Le modo pirate, non, ah, il est plus inspiré. Bon, ben, Cronu, désolé, mais t'es plus inspiré. Mais visiblement, tu l'étais.
T'étais inspiré. Donc voilà, ça va mieux. Attention, est-ce que le... il arrive ou pas? Oui, il est arrivé à la faire. Ouh, ça c'est bon ça. Et ben voilà, il n'y a plus rien là. Alors, un truc intéressant, c'est qu'on va essayer de faire un sol en béton. Alors, c'est à la limite là et... ça c'est con. On va pas le faire là. Arrêtez de jouer. Construisez ça. Construisez-le. Voilà, comme ça au moins il n'y aura pas d'arbre qui peut pousser. Si on met du béton, ce n'est pas possible. Ok, le... n'empêche, on peut quand même noter qu'il y en a beaucoup qui bossent la nuit. Hein. Et puis moi, monsieur le maire, ben, je suis en train de jouer. Voilà. Tout va bien. Putain, pourquoi ils n'ont pas construite? C'est tellement important. Alors ici. On met pas les cadavres. Voilà, donc ici, plat, aliments crus. Voilà, c'est ça. On va mettre les aliments crus et les plats. Enfin, on va les enlever. Et du coup, on va les mettre ici. Level up de Zelgir. Bravo, bravo. Niveau 23. Ah, ok. L'ombre de psychique s'arrête. Dommage. On était apaisé. Sauvegarde automatique. D'accord. Ça me va. Ça me va. Du coup. Oh! Ne peut pas apporter éolienne! Construction skills to low. C'est trop bas. Mais t'es pas assez bon, Victory, pour construire ça. Oh merde! Il faut combien? Construction skill requiert 4. Et alors, t'as même pas 4? Oh non, t'as 3! Oh non, le mec! On a personne pour faire une éolienne! Bon, ben on va faire une construction au bois hein, pour l'instant, puisqu'on n'a personne qui peut construire l'éolienne, donc voilà. Voilà. Oh putain, mais je suis entouré de qui, sérieux? Oh là là, tellement dur, la vie, avec vous. Alors, il n'y en a pas un qui peut s'améliorer en construction. Ah non. Putain, c'est ouf. Alors, au pire des cas, je peux me mettre en construction. Ouais. Pas ouf. Ah là, c'est la merde. Ah, j'avoue que pour le moment, c'est... c'est un peu la merde. Ah mais oui, mais je peux pas le faire non plus du coup. Non mais attends. Oh mais ça aussi tu peux pas? Mais c'est quoi ce bordel? Ah mais il faut 4 aussi. Non mais là c'est une blague. Est-ce que les panneaux solaires au moins tu peux... oh non, c'est encore plus dur. Ça veut dire que je ne peux pas produire d'énergie. Voilà, ça veut dire que là, actuellement, je ne peux pas produire d'énergie. Parce que notre alcoolique n'est pas assez bon. Il n'est pas assez fort. Mais je rêve. Mais j'ai l'impression de rêver.
Là, il faut d'autres colons, sinon c'est la merde. Mais Ruby Town ne s'est pas construite en un jour. Tu vas voir. Oh là, ce tir de ouf! Alors, on va se faire un petit atelier de dépeçage. C'est où? Ah voilà, établi de boucher. Établi de boucher, du coup, on va le mettre à l'extérieur. Non. Alors, c'est la merdasse. Ah mais non, mais il est là l'établi de boucher, quel con. Mais quel con. Dépecer une créature. Hop, voilà. Et bim, et voilà. On dépece. Et on fait. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce qu'ils sont liés, l'abattage de noir rendra les modos, le modo malheureux. Ah! Ah mais parce qu'ils sont liés maintenant? Attachement Cronu. Oh! Cronu, t'es lié avec noir. T'es lié avec une guenon, dis donc. Oh bah dis donc. Qui l'eût cru? Bah qui l'eût cru, hein? Cronus s'est lié d'amitié avec une guenon. Bah oui, à défaut de pas pouvoir être lié avec les êtres humains. Il a essayé avec une guenon et ça a marché. C'est ça le pire, c'est que ça a marché. Hop, alors faut virer ça. Hop, on va améliorer ça. J'avoue que c'est pas ouf là, hein, que je puisse pas faire du tout d'électricité. Je suis pas super satisfait du truc, quoi. Voyez-vous? Bon. Il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lol. Oh. C'est un truc de fou quand même. Mais là, il entre. Oh! Il devient tout. Tout noir. Va attaquer lui. Voilà, pas les aliments et toi du coup juste ça. Mais toi du coup si tu peux accepter les le foin, Pep Mican, non. Et pas le chocolat, juste le foin. Et toi du coup tu peux accepter le chocolat, les croquettes, non pas les croquettes. Et du coup les croquettes on va les mettre là. Pour le moment. Hop, voilà. Voilà, on va partir comme ça. La nourriture se fait rare, on se calme, s'il vous plaît. Monsieur le maire a une solution. Il a une solution à tout. Je revendique. Voilà, je revendique tout. Hop. On a quoi? On n'a rien du tout.
n'a rien du tout. On va se faire en bois. Si tu trouves des chiens ou des loups, ce serait cool que tu essaies de les dresser. Ouais, ça pourrait être intéressant de le faire, effectivement. On va se faire une chambre. On va commencer à se faire des petites maisons individuelles. Parce que chacun aura sa chance. Et aura sa chambre aussi. Et oui, parce que moi je suis comme ça. Ah tiens, on peut aussi y mettre les... Alors, ça va être dans quoi? Voilà, les médicaments. Et ici, du coup, pas les médicaments. Hop. Ok. Alors, mobilier. Oh, on peut faire un lit en argent. Oh putain, ça coûte cher. Ta chambre, c'est du 4x5, tu sais. Et alors, j'ai pas dit que on allait avoir une suite de luxe, hein. J'ai juste dit qu'on allait avoir une chambre. Oh mon dieu. Faut pas se croire riche. Hein. À Rubitan, on commence avec des trucs modestes. T'as vu un peu? C'est pas mal, hein? T'as quand même un lit en fer. C'est quand même mieux qu'un lit en bois. Enfin, à réfléchir, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Non, on va pas mettre ça. Un fauteuil, j'ai pas de tissu. Une petite table. Hop, regarde. C'est beau la vie. Construction échouée. Ben oui, ça m'aurait étonné. Non mais n'allez pas me dire que vous pouvez pas construire un lit en métal. Quand même. S'il vous plaît. Un peu d'effort quand même. Merci. Ok, donc ça... C'est pour monsieur le maire. Forcément, hein. Et lui, on va le garder comme lit. En gros, toi, t'as du 4x5 et les citoyens, ils ont du 2x3 carrément pour économiser les ressources. Mais non! Ah, oh, tout de suite! Regarde! Regarde! Oh, moi ça. Regarde comme je suis gentil. Hop. Est-ce que tu te sens bien, mon petit monsieur le maire? Dortoir horrible. N'en mettez plus dans un dortoir. Me fais pas chier. T'es plus dans un dortoir, donc tout va bien. Bon, déjà, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est déjà mieux. Ça pourrira un peu moins vite. Mais voilà. Il faudra quand même... Putain, il faut absolument qu'on ait un colon qui puisse construire, quoi. Parce que là, c'est... C'est compliqué. Regarde, en plus, regarde. Et je suis gentil quand même, parce que vous avez une case de plus... Non, pas une case de plus, autant que moi. Non, une case de plus. Bon, alors, vous n'allez pas commencer. Hein.
Ok, Chronu qui ne fait rien. Chronu, tu sers à quoi? Cuisine. Ok, tu peux faire de la cuisine. Oh bah ça y est, c'est pourri. Hop, on va chasser. Oula, on a Chronu qui attaque. Oh, Chronu, il nous défonce les murs en attaquant avec son pistolet, quoi, sérieux. Je rêve. Il faut mettre un meuble dans la chambre pour améliorer la beauté. Bah là, il y a un dressing qui permet d'avoir voilà un peu plus de confort. Et j'ai mis aussi une petite table. Il y a personne bon en agriculture. Très bonne idée. Très bonne question. Si je crois que si. Agriculture 3 pour Chronu, 1 pour moi. Ah non. Et 2 pour. On est tellement nul, sérieux. Mais on est tellement nul. On est une équipe de. De bras cassés. Oh là 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 là. On est vraiment une équipe de bras cassés, quoi. Qui c'est qui fait d'ailleurs l'agriculture? Ferme. C'est le mode. Bah, les deux modos font l'agriculture. Hop. Je vais commencer, ouais, une zone agricole, mais. Risque de démence majeure. Ah, c'est cool. Plant de pommes de... Alors, putain. On va mettre du riz. Ça pousse vite, le riz. Maïs, c'est plus long. Oui, bon, on va laisser les pommes de terre. On va essayer de se faire des pommes de terre et du riz. C'est étonnant que le cobra il nous attaque pas. Risque de démanche majeure pour qui? Pour... Oh, mais Chronu, il est stressé, le mec, hein. Il est tendu, hein. Il est jaloux. Quelqu'un a une chambre plus impressionnante que moi. Oh, oh mon gars. Mon gars. Mais t'es d'où? Mais tu viens d'où? Mais tu viens d'où, mon gars? Mais tu te prends pour qui? Chronu qui est victime d'une intoxication alimentaire, et ben ça tombe bien. Hop, c'est parti. Ah, mais on n'a plus de bois bientôt. On n'a plus de bois bientôt. Hop, faut couper le bois. Il faut couper le bois. Oh, il gerbe. Oh, sérieux. Il gerbe en même temps qu'il fait la cuisine. Ça, j'adore. On se demande pourquoi après les plats, ils sont dégueulasses, quoi. On a compris. Hop, tac, tac, tac. On peut même mettre un pot de fleurs, dis donc. On va mettre un pot de fleurs avec des fleurs. C'est beau, ça, non? Qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle piole? Dortoir horrible.
Oh, il est rempli de joie, Victory. C'est bien. C'est bien. Il est rempli de joie. Tout va bien. Alors, est-ce que ça te plaît, ta nouvelle environnement déplaisant? Bon, chambre horrible. On commence à se faire... hein, bon, petite faim. Il a toujours faim, Cronu. Et voilà. Ok. Cronu, tu bouffes quand même. Hein. Tu bouffes beaucoup. Hein. Mets une torche dans chaque chambre. Allez. Hop. Et vous irez pas dire quand même, mais vous avez une chambre plus grande que la mienne. Hein. Je suis quand même sympa, moi. Je suis quand même plutôt sympa comme mec. Hein. Allez hop, et on va mettre des roses. Ok. Par contre, le lit, il va pas se construire tout seul. Ah, mais il n'y a plus de bois. D'accord. Pour ça. Il n'y a plus de bois. Hop là. Mais tu crois que c'était utile de construire le pot de fleurs? Le lit était quand même un petit peu plus urgent, je pense. Voilà, va faire le lit. Hop, voilà. Comme ça, ces trois-là, on peut les mettre en lit médical pour le moment. On sait jamais, des fois qu'on ait besoin. Capsule de cargo. Qu'est-ce qu'on a? De l'or. Morceau d'acier. Bon, on essaye tant bien que mal de faire les choses. Hein. C'est pas simple, mais on essaye. Alors. Quoique, on peut faire comme ça. Ah, il nous faut une porte. Il nous faut une porte qu'on va mettre au milieu. Voilà. On essaye de faire des trucs. Hop, couper du bois, couper. On a bientôt plus de... Alors, est-ce que ça vous convient mieux? Se sent terriblement mal, jaloux, vient de voir un cadavre putréfié, on s'en fout de ça. Chambre horrible. C'est dommage. Elle est jolie ta chambre, te fous pas de moi. Quand même. Jamais content ces gosses. C'est ouf ça. On leur donne tout et ils sont pas contents. Qu'est-ce que tu as? Beauté, confort et humeur. Ah. Il y a différents types de... Ok. Hop, mets-nous un sol. Allez, coupez du bois, coupez, coupez.
Il m'en faut encore plein. Coupé. Bon, du coup, la ville de Rubytown commence à prendre un petit peu forme au fil du temps, tranquillement. On va dire. Alors, il faut qu'on chasse pour avoir de la nourriture. Oh, il y a des trucs là, trop bien. Touche-le, c'est bon. Il est mort, nickel. Hop. Bon, bah ça se passe plutôt bien, je suis content. Je suis content de notre avancée et bienvenue à Vascovins. Comment vas-tu? Bienvenue sur le live. Bon, la ville de Rubytown se forme. On a des ennemis là, mais bon. Ils sont assez loin. On en est où de ça? Croissance 0%, 26% mûr. Ok. Mais ça, on l'a apprivoisé que je savais même pas quoi. Ok. J'étais même pas au courant qu'on l'avait apprivoisé ce truc. Alors qu'est-ce qu'on pourrait y faire ici? Qu'est-ce qu'on a? Jette qu'il y a un nouveau colon pour que j'intègre la ville, j'avoue. Et du coup, alors, question un petit peu délicate, mais je suis pas censé savoir. Est-ce que t'es une fille ou un garçon déjà de base? Parce que si t'es un garçon et que c'est une fille, est-ce que tu acceptes que je te mette en fille et vice versa? C'est toujours pareil. Parce que bon, c'est quand même. Ou alors, est-ce qu'on attend vraiment le bon? Ok, Ah oui, mais attends, il y en a plein là qu'il faut aller ramasser. Un garçon, ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce truc-là? Voyez-vous? Un atelier de recherche. Alors, est-ce qu'on commence les recherches ou pas? C'est un peu délicat parce qu'on est que 3, alors. C'est un peu chiant. Non, c'est vrai, le pseudo est assez bien dans les deux sens. Enfin, il peut être utilisé dans les deux sens, donc voilà, ça peut porter à confusion. Je verrais bien ici un grand truc de rangement en plein milieu de la ville. Un énorme rangement en plein milieu de la ville. Ça pourrait être cool, du coup. Oh, ça y est! Oh, il est passé niveau 4! Oh, mon ami! Je te bénis des dieux! Merci, Victory. Grâce à toi, on aura de l'énergie. Hé, hé, mon ami! Alors, c'est parti! C'est parti. Risque de démange. Non mais c'est bon. Ah merde.
Il en manque un. Quel con. C'est utile pour moi qui garde l'anonymat sur ma chaîne Twitch. Ok. Ah voilà, c'est bon. On a, alors, moins 10. Du coup, on va aller à moins 5. Moins 5 degrés, ça suffit largement, non? Putain, on n'arrive pas à descendre à moins 5. Péniblement. Ok. Ok, on a du mal à descendre à moins 5. Hein. Wow. On va se mettre à moins 10. Oh, t'es ami avec qui, toi? A été dressé par Monsieur le Maire. Oh! J'ai réussi à le dresser. Du coup, attends, je vais te mettre un petit truc, un lit pour animaux. J'ai pas assez de cuir. Non. Un box pour animaux. Voilà. Un petit box pour animaux. À l'extérieur du truc. Tu dors à... Non, tu dors à l'extérieur, mon gars. T'as pas à dormir à l'intérieur. T'es un animal. T'es une guenon. La nuit, ça produit pas des ouf de ouf, quoi. Ah, ça y est. Ça s'énerve un peu plus. Enfin ça, sinon à chaque fois on remonte, la température remonte. Ok. Tant qu'il fait pas des vagues de chaleur à l'extérieur, je pense que c'est pas un problème. Une IA amicale de votre passé nommée Charlon Weston vous a envoyé un message. Elle vous révèle qu'elle a un vaisseau spatial caché sur cette planète et vous envoie les coordonnées de sa position. Si vous arrivez jusqu'au vaisseau, Charlon vous emmènera dans l'espace, hors de ce monde déjanté. Il est où? Il est là. Oh putain, il est loin! Oh! Toute l'expédition de fou! Ah oui, putain, la recherche aussi, va falloir que je le fasse. Oh là là, il va falloir que je le fasse. Oh, il va falloir que je fasse tellement de choses. Bon, c'est le premier épisode. On est tranquille. Premier épisode, on va pas s'énerver. Intérieur 13 degrés. LOL. Oh, comme c'est à côté de la chambre froide, il fait plus froid, dis donc. C'est marrant. Alors que d'heure, il fait 27. Oh, c'est bien ça. Je trouve ça cool. Hop. J'avais jamais fait gaffe à ça. On va récolter ça. Mais non, pas de risque de démence. Alors. Clac, clac, clac. Voilà. Déjà, on va ouvrir un peu cette pièce au milieu, là. Ah. Ouais, vu que tu ouvres la porte, l'air se répartit dans les deux pièces. C'est trop cool. Ah, du coup, là, c'est remonté. Bah oui, puisque j'ai pas réouvert la porte depuis un petit moment.
Ah, ça y est. Non, c'est surtout que dehors il fait encore plus chaud. Il fait 33 degrés à l'extérieur. Bon, ça va. Ce serait bien de venir nettoyer ça, non? Voilà. C'est quand même mieux de nettoyer ces trucs. Alors, est-ce qu'une seconde éolienne est rentable? Ou est-ce qu'une seule suffit pour le moment? Alors, on va se mettre une petite table. Avec des chaises. On va manger dehors. À la belle étoile. Bon, bah ça se passe plutôt bien. Là, ça y est, on a l'électricité, donc c'est cool. Donc c'est cool. Ah, c'est vraiment un jeu qui est tranquille, hein. Ça fait plaisir. Ça change sur la chaîne un peu. Putain, c'est long à construire les chaises. Dis donc. Tadadam. Tadadam. Les pièges mécaniques, je sais pas si c'est utile. Pour le moment, il suffit à générer plus. Ce que tu consommes avec le frigo, mais si t'as prévu de rajouter des objets électriques, il faudra voir. Ok. Bah écoute, hein, on verra. Pour le moment, j'ai pas spécialement prévu, voilà, de faire autre chose. Peut-être mettre des lumières, tu vois, ce genre de truc, mais. Alors, si ce qu'on peut faire, c'est établi de sculpture. Cuisinière électrique, établi de tailleur de pierre. Ah non, c'est plutôt tailleur de pierre. Voilà. Tac tac, voilà, on va construire. Ouais, effectivement. Réfugié pourchassé à Ruby Town. Un creuseur de tunnels d'un monde souterrain nommé Jin Cao Cao Mao. Ok. Vous appelle. Elle est pourchassée par des indigènes. Elle vous supplie de l'aider et de rejoindre votre colonie. Elle a 18 ans et biologique. Ok, donc elle est jeune. Attention, si vous acceptez, vous devez combattre les indigènes à ses trousses. On y va. Oh, elle est à poil. Bonjour madame. Alors quelles sont tes aptitudes? Minage à fond. Oh super, ça va aller plus vite. Mêlée et tir. Ok.
Incapable des travaux intellectuels et d'artisanat. Ok, donc bon, pas de soucis. Ce que tu peux faire par contre, c'est venir. Normalement, t'as une arme à feu. Non, elle y est plus. Normalement, il y avait une arme à feu là. Le pistolet du mec, il est où? Il est dans l'inventaire d'un dégât. Pistolet normal, couteau. Bah non, pourtant. Il est où le... Ah, il est... Non, il n'a pas été détruit par, par l'extérieur. Ah. Ah si, elle a... Peut-être ça a été détruit. Parce qu'il n'y a plus les habits non plus. Donc les habits ont été détériorés également. Mince! C'est ballot. C'est ballot du coup. Pour l'instant... Hop, on va te redéfinir ça pour toi. Hop, ça, voilà. Donc, on est parti. Non mais ça va. Non mais ça va, il y a juste un gars qui l'a pourchasse. Ok, toi tu viens là. Hop. Oh boum. Oh merde. Il est en train d'attaquer mon... À l'attaque. Victory, attaque. C'est bon. Hop. Au feu. Maintenant il pleut, c'est bon. Il n'y a pas de feu. Victory, t'as été touché comment? À l'épaule droite. Taillade, arc court. Ça va. Requiert un traitement maintenant. Ok, hop, toi c'est bon. Ok. Hop, équipé arc court. Et donc du coup, qu'est-ce que tu es devenu? Toi tu es quoi? Tu es à peu près tout, pas de cuisine. Ok, tu es à peu près tout, donc c'est très bien. Et t'es surtout mineur, donc c'est bien. Est-ce que tu veux utiliser celle-là comme, comme personnage, ou est-ce que tu préfères attendre un mec parce que là c'est une femme du coup. Donc est-ce que tu... Voilà, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Hop là, voilà. Au feu, les pompiers. Animal fou. Oh merde.
Attention, un sanglier fou. Tout va mal. Ah merde. Ah oui, il faut un projet de recherche. Culture hydroponique. Je préfère attendre, je prends le risque. Ok, très bien. Permet de fabriquer des forges pour produire des armes et des outils en métal. Ou alors le raffinage permet de construire des raffineries pour fabriquer des combustibles chimiques à partir du bois. Fusion électrique permet de construire une forge et une fonderie électrique. Bon, on va partir sur la forge qui est pas trop chère. Et on verra après. Ok, c'est bon. Meurs. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que t'as fait comme dégâts, ma jolie? Fracture. Oh, du fémur gauche et de la jambe gauche. Mais meurs! Putain, mais c'est ouf ça! Oh, il est mort. Bon. Bon, eh ben il est mort. Il est mortibus. Morsure de cobra. Morsure de cobra. Jambes, bras, cou. Ah! Il m'a quand même bien défoncé ce con. Bon bah c'est comme ça la vie hein. C'est la vie. On ne peut rien y faire. On s'est fait attaquer et puis on a perdu. On a perdu. C'est comme ça. Enfin on a perdu. On a perdu juste le petit la petite guenon. Mais enfin bon. Ouais, mais il a été soigné, perte de sang mineur, tout le corps, et du coup il a été bandé, voilà. Voilà, il a été bandé. Donc normalement ça doit être bon. Ah, le pauvre, il est en train de cuisiner son singe alors que c'est lui qui était lié à lui. Oh, une fête. Il a une artère touchée et c'est en majeur. Ben ouais, mais il a été non, c'est l'artère bouchée. C'est le cœur. C'est le trait que j'ai. C'est le trait que j'ai eu dès le début, ça. C'est un truc que j'ai depuis le début, ça. C'est un passif. Enfin, passif, hein, oui. Un problème que j'ai quand le personnage est arrivé sur le jeu, quoi. Je l'ai pas eu avec le serpent.
Alors, juste qui c'est qui est plutôt bien en médecine 2 et 1. Eh ben, on n'est pas servi en médecine. Essaye de dresser la panthère. Ok, on va essayer. Hop, apprivoiser. Ok, moi j'ai une maladie, une infection pour la morsure au cou. Ok. Alors. Normalement, progression de l'immunité, elle va plus vite. Ouais, ça va largement plus vite. Progression de l'immunité et infection. Le modo, il a 11 de dressage. Ouais. Ouais. Du coup, alors attends, contrôle, alors dressage. Pourquoi ça a été mis que sur moi d'ailleurs? Animaux 7. Animaux 4. Ah ouais, parce qu'il n'y a que moi qui suis vraiment fort en dressage. Animaux 7. C'est pour ça que c'était moi. Ok, je comprends. Ok, on va les laisser faire tranquille. Hop. Nous ici, on va ajouter une tâche. Ah non, pas ça. Vêtements en lambeaux. Oui, ben tu m'emmerdes pas, tu verras plus tard. Pour l'instant, t'as des vêtements, t'es pas à poil. Ok, le maire a besoin de soins, s'il vous plaît. Non, dans une heure... Ok, dans une heure, il va être soigné. Enfin, il va être de nouveau traité. Prochain traitement. Ouais, ça va. Oh, mais on est large, hein. L'infection est à 40% et l'immunité est à 49%. Donc ça va. On est quand même assez large. Alors attends, il faut chasser ça. Les batteries sont presque pleines. Ouais, effectivement. Ce qui veut dire que il faut que j'arrête de faire tourner l'éolienne quand elles sont pleines, les batteries, ou on peut continuer sans problème. Ou alors ça va faire une surcharge. Oui, on est large. On est à 10% en avance par rapport à l'infection, donc ça va. Le maire ne va pas mourir. Oh, Victory et Tsao, ils sont amoureux. Oh, ils sont amoureux. Victory et Tsao, ça y est. Victory a déjà trouvé sa compagne. Ça y est, sociale. Amoureuse. Oh, amoureuse. C'est trop mignon. Tu dois faire pousser des herbes médicinales, effectivement. Alors, herbe à foin, racine de vie. C'est racine de vie, hein.
Sauf que la racine de vie, il faut être 8 en aptitude minimum. Et pour l'instant, personne... personne à niveau 8. Personne est niveau 8. Donc je ne pourrai pas. Alors par contre, ce qu'on peut faire... Donc c'est lui. C'est Victory hein, qui est amoureux. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que... On réinstalle ça ici. Ça, on le laisse. Ça, on réinstalle ça à côté. Ça, on le désinstalle. Hop. Et bienvenue, cannibale. Comment vas-tu? Du coup, le modo 2 est Sao. Voilà. Voilà, puisque vous êtes amoureux, et bien surtout n'hésitez pas à venir dormir dans le même lit pour faire des enfants. Parce que comme ça on aura droit à... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, des psychoïdes. Comme ça on aura le droit à des gens plus tard. Voilà, on a le droit à des bébés et puis les bébés vont grandir et tout, et c'est super. Alors ça va, je suis soigné. C'est bon. Nickel. Immunité à 93% et infection à 76%. Donc, on est super large. Maladie grave. Mais oui, mais non. Vous inquiétez pas. Regarde. 99. Boum. Et c'est fini, j'ai développé l'immunité. Et voilà. Et voilà, maintenant je ne peux plus mourir pour l'instant. Mais faut pas croire hein, quand même. Hein. Oh, il y a des cœurs. Ils sont en train de faire des choses. Oh, tellement bien. Il n'y a pas l'aptitude de... Non? On peut pas être stérile ou quoi dans le jeu? Je te le souhaite pas du tout, hein, mais... Mais je me demande s'il y a le trait de caractère... Enfin, le trait, oui, pas de caractère, mais... T'es un peu débile là, non mon gars? Qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que Tsao, elle est contente? Est-ce qu'il s'est passé des choses? Non. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir des bébés. Ah mince! Bon, c'est pas grave. Au moins, ils seront contents. Ils passeront du bon temps. C'est essentiel. Alors, moi, je suis en agriculture. C'est où? Non, c'est pas moi. Non, 2. 4. Ah, putain, on a... Waouh! On est niveau 4 et il faut être niveau 8 pour la culture de trucs de vie. Ouh, c'est tendu, ça. Gentil, tes batteries sont pleines, ouais, mais du coup il faut que je les stoppe. Il faut que je stoppe l'éolienne ou pas, ou est-ce qu'on peut continuer à les faire tourner?
Bon, alors là, on n'est pas trop mal. On est même plutôt bien. Hop. Hop, on va ouvrir tout ça. C'est pas gênant de les laisser tourner. Ok. Malade, vers intestinaux. Ok. Merde. Il a reçu les vers intestinaux. C'est con ça. Niveau de faim, requiert un traitement maintenant. Y mettre requiert un traitement maintenant, puis après quand tu veux faire, ça met qu'il n'y a pas besoin. Bon, bah écoute, hein. On va rien faire alors, hein. Il a mangé trop de viande crue, mais pourtant il l'a fait cuire, il fait des plats simples avec. Y a pas de raison qu'il mange de la viande crue, le mec. Y a aucune raison. Oh, il y a un lit là. Est-ce que je peux faire des plats raffinés? Il faut quoi? Des ingrédients utilisables et des végétaux. De la viande et des végétaux. Ouais, ça veut dire qu'il faut minimum cuisine 6. Est-ce que toi déjà t'as cuisine 6? Oui, je crois. Hein. Non? Ouais, cuisine 6, c'est bon. Le truc, c'est que viande et végétaux, ça veut dire qu'il faut. Viande de singe, viande de cobra. Si c'était lui, si tout à fait. C'est lui qui a bouffé tout ce qui passait et voilà. Et du coup, fait des plats un peu plus raffinés. Jusqu'à ce qu'on en ait 15 aussi, du coup. Comme ça, si tu peux faire quelques plats raffinés, ça sera pas trop mal, quoi. Malnutrition. Ok. Bah va manger. Oh, il va dehors à la belle étoile. C'est peut-être à ce moment-là. Ah d'accord, ok. Ah, ça peut incuber comme ça autant de temps. Bah dis donc. C'est assez balèze hein, quand même comme truc. Okay, on a eu quelques patates, mais enfin pas non plus des masses. Alors. Putain, ça coûte cher. C'est une hypothèse. Oui, après, oui, bien sûr. Mais si c'est ça, dis donc. On peut en mettre l'un là. Un raid! Non! Oh, ça va, il est tout seul. Ça y est! Ah non, il nous attaque pas. Il va dire ça y est, il attaque.
Non, il a pas envie. Il est tout seul. Ça y est, lance l'assaut. Ça y est, t'as... Ah si, t'as les vers intestinaux encore. Ok. Tu le baisses, regarde ses stats avant de le buter. Ouais, je sais, il faut que je les capture. Il va falloir que j'essaye de le soudoyer et tout pour qu'il vienne avec nous. Ça sera... Voilà, on va rester ici. Oh, bah il est mort. Oh my god. Il est mouru. Il était quoi? Intellectuel? Bon, j'ai rien perdu. J'ai rien perdu parce qu'au final, il était nul à chier. Donc ça va. Ça va, ça va. Mais le mec, il est mort. Il est mort direct, quoi. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est leur faire un. Hop, leur faire des tombes. Parce que bon. C'est pas ça, mais enfin. S'ils peuvent être enterrés, c'est mieux. Voyez-vous? Putain, il n'y a que du fer là. C'est la fête au fer. Hein. J'adore. J'adore, j'adore. Alors j'ai peur que si j'en attaque une là, les autres m'attaquent. Alors, de la viande. Eh ben c'est où d'ailleurs la panthère de... Elle est passée où d'ailleurs la panthère? Ah putain. Allez, il y avait un sanglier, dommage. Ah, elle est là. D'accord. Ok. Alors, on n'en a rien là si on a... Hop là. Voilà, on va venir... Nous avons heurté machinerie compacte. Ok. Tu chasses la panthère? Non, non, j'ai mis ce clic. Oh. Un petit groupe de Tumbos erre dans la zone. La nature paisible sans combattu. Ces informations donneront cher pour son précieux cuir et sa corne. Ça peut être cool, ça, de le... C'est bon. Ça peut être cool ça de les apprivoiser. Oh mince, on peut pas. On peut pas les apprivoiser parce qu'il faut minimum level 9 et je n'ai pas de niveau 9. Donc voilà. On va laisser tranquille cette petite bestiole. Enfin cette grosse bestiole plutôt. Ça va me mettre le feu. C'est chiant. Bon,
Bon, pour le moment... Ah ! Là aussi. Bon, mais les vers intestinaux, ça veut pas partir. Alors, au niveau des pompiers, qui sait qui l'est ? Tout le monde l'est, c'est très bien. Quelqu'un veut peut-être venir éteindre le feu, non? Ah ben non, parce que c'est pas sur notre base, c'est pour ça. Et voilà, il pleut, c'est très bien. C'est nickel! Pour le moment, on est plutôt bien, je trouve, non? Pour le moment, on est plutôt pas mal. Ah, on a commencé la recherche. Lol. Ok. Oh, on a du fer partout. Il va falloir que je le stocke à l'intérieur, le fer, hein, parce que... Le laisser comme ça à l'extérieur, ça me... Bof. Ça me plaît guère. Ça oui, victime d'une situation alimentaire. Oh, mais arrêtez d'être tous malades, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, mes enfants? Relaise. On peut aller la chercher. Ah oui, mais c'est Lace qui fait ça et c'est le modo. Alors la panthère, bah la panthère, elle est quelque part, elle est là. Hop, elle est ici. Et du coup, bah pour le moment, je ne l'apprivoise pas. Elle est marquée pour apprivoiser, mais pour le moment, ça se fait pas. Oh, il faut encore des bébés. Regardez. Capsule cargo. Qu'est-ce qu'on a? Oh, intéressant. Ah oh ouais, cool. On a des baies. Oh, trop bien. Je suis content. Oh, il y a quoi là? Encore du fer, mais il y en a partout de ce truc. Ok, victime d'une intoxication alimentaire encore. Alors, faudra m'expliquer quand même, par contre, quand est-ce qu'il va arrêter d'être malade, lui. Parce que ses vers intestinaux, c'est un peu pète-couille, hein, pour pas dire autre chose. Voilà. Vous m'avez compris. Un petit peu relou. Ce que je trouve étrange, c'est qu'il y a marqué « Requiert un traitement maintenant ». Mais quel traitement? C'est ça en fait. Quel traitement? Parce que le traitement habituel, ça marche pas. Les médicaments. Donc quel traitement? Parce que là j'ai l'impression que tant qu'on fera rien, il aura cette satanée intoxication, enfin cette sévère intestinaux quoi. Et oui. C'est ça qui est chiant.
dressage, chasse. Cuisine, cuisine, oui. Le niveau de traitement du malade n'est pas le même que tes médicaments. Mais ça va puisque c'est meilleure qualité possible. Donc meilleure qualité possible, c'est tout ce qui existe. Fallait qu'il s'automédique. Ok. D'accord. Fallait qu'il se fasse une automédication. Un peu chelou, non? Bon, pas tout compris, mais voilà. Ça a réglé le problème. Automédication. Alors que les autres pouvaient faire la même chose, mais ça ne marchait pas. Parce que j'ai pas changé le niveau de traitement. Hein. J'ai laissé pareil. J'ai juste mis automédication et ça marche. Donc. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? La vie est faite ainsi. Ah, ça y est, tu nous fais à manger, c'est cool. Ah, c'est cool, tu nous as... Ah oui, il était temps. Oh! Lol. T'es parti où, là? J'étais parti où encore? Ah, ramener ça, bah oui, c'est très important. Ok. Alors, ce qui serait bien par contre, c'est que là, tu fasses... Voilà, à la chasse. Parce que là, on n'a plus du tout de bouffe. Là. Et ça, ça pousse pas. C'est lent à pousser. 2 demandes en mariage rejetées. Oh non! Oh non! Pourquoi elle a refusé? Oh la chieuse! Oh non! Oh la sale! Oh, je ne dirai pas le nom! Je ne dirai pas le nom! Allez, c'est parti, cuisine! Nice. Un petit repas complexe. Non, un repas simple. Ok. Hop. Ah. Ah. Ben voilà. Il a explosé. Il a explosé. Ah mais lui aussi. Oh. Pourquoi ils explosent comme ça? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils explosent? Ah non! Allez, éteindre le feu! Saleté d'hérétique!
Voilà, c'est bon. Hop, alors. Tac, tac, tac. Ok, on va construire au moins une petite lumière. On va faire la lumière, allez. Allez, va plus vite. Je suis parti où, moi, encore? Putain, mais je suis toujours barré à 10 km, moi, la nuit. C'est ouf! Les premières récoltes sont déjà utilisées. Ouais, 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 pour le coup, elles ont déjà été toutes consommées. Mais là, ça va, on en a refait 16. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais le modo va mieux. Chronu va mieux. Oh putain, sérieux. C'est chiant, hein, c'est... C'est chiant, ces trucs-là, hein, de foudre, hein. Voilà. Il nous reste de la viande d'avance, vachement de viande, donc c'est cool. Oh merde, il vomit. Oh, lol. Il vomit. Il vomit dans la chambre froide. Tout va bien. Ok, nickel. Il nous reste du riz. Ah, les patates arrivent. Oh, ben c'est nickel. Bon, et ben voilà, c'est nickel. Les patates arrivent, le riz aussi. Donc, on va pouvoir faire un peu de bouffe d'avance. C'est très, très bien. Ben écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Il est 22h55. Donc, voilà, 23h. Demain, je bosse. Donc, on va s'arrêter là. Je vous dis merci à tous. Laze, la prochaine fois, je ne t'oublierai pas. Ne t'inquiète pas, le prochain mec qui arrive en ville, si c'est un gars, eh bien, ce sera pour toi. Sans aucun souci. Merci encore du follow. C'était bien cool. Une petite soirée bien cool. Et du coup, nous, on se retrouve donc demain soir, pas de live, hein, le mardi. Mais ça, vous le savez maintenant avec l'agenda en ligne. Donc voilà, c'est sur mon site internet. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, hein. Laze, n'hésite pas à rejoindre le Discord, il n'y a aucun souci, voilà, pour parler et tout. Et on se retrouve donc mercredi soir maintenant pour repartir sur un autre jeu, je pense. Ben, on va repartir sur Pillar, hein. On va continuer notre petite épopée tranquillement. Allez, bonne soirée, bonne nuit à tous, ciao ciao!